Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était le Kino. Il s'agit de la découverte de Bud Spencer and Terence Hill, Slaps and Beans. Slaps and Beans, des claques et des faillots, on pourrait traduire ça comme ça. Il s'agit d'un jeu avec la musique ultra forte, je suis désolé. Voilà, ça c'est fait, je vous ai défoncé les oreilles. Il s'agit d'un jeu de baston, ou un beat demo comme on dit en anglais, où on peut jouer Bud Spencer et Terence Hill, les héros des fameux films des années 90, j'aurais dire 80, plutôt 80, qui faisaient beaucoup de western ridicules, genre Mon nom est personne, c'est ça Enfin, bref, je regardais beaucoup les films avec mon père quand j'étais gamin. Je sais pas si ça va me rappeler des souvenirs, mais bon. La musique, en tout cas, c'est quelque chose. À noter que le jeu a été offert par Mishmush. Merci Mishmush. Et que Poro a dépensé 50 000 cordinous pour pouvoir le découvrir. Ah, il est assez court, donc on va voir. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait entièrement? Je ne sais pas. On verra. Est-ce qu'on le one-shot? Probablement pas. Mais en tout cas, on va le découvrir maintenant. Alors, on peut jouer à deux, évidemment, mais nous sommes tout seuls. Je sais pas s'il y a une différence entre... à mon avis, une différence d'animation. Entre Bud Spencer ici et Terence Hill là. Mais je ne sais pas s'il y a une différence de puissance et autres. Bouger, attaque rapide, attaque lourde, bloquer, ramasser, courir. Bouger, attaque rapide, attaque lourde, bloquer, ramasser, courir. C'est la même chose. Bon, on va prendre Bud Spencer parce que c'est mon buddy. Hop, et on joue tout seul évidemment. C'est prêt, j'ai faim. Tu sens cette délicieuse odeur? Me presse pas, c'est ma soeur et ma recette secrète. Eh, hey, vous êtes qui? C'est notre repas, rien qu'à nous. Rien qu'à moi. Gardez-le, on est là pour vous, attrapez-les. Attends, où est l'urgence? Amusons-nous avec eux, non? T'as raison! Cognez pas trop fort, le chef les veut vivants! Chef, je m'occupe du gros. Eh, tu vois pas qu'il fait de son mieux? Fais au moins semblant d'éviter les coups. Ah! C'est... Paf! Ok. Montez le son. Ah bon, on n'a pas... Il n'y a pas de... Ok. Je croyais qu'il y avait des options pour la musique. Ça va aller, mon vieux? Peut-être qu'il ira mieux avec une petite baffe. On dirait Obélix. D'accord. Assez! On n'a pas le temps! Mauvaise idée de toucher ton repas. Notre repas. Tout seul attaque. Oui, patron. Tout de suite, patron. Là, on n'a pas de... On est invincible, j'ai l'impression. Ah, désolé pour ton repas. Ton repas. Allez, excuse-moi, dès qu'on arrive en ville, je te paie à manger. Bon, allons jusqu'à Stoneville. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de blabla. Maintenant, mais il fait nuit, t'es fatigué? Non, j'ai faim. Ah, oh, la zig.
Pitié, nous n'avons rien. Nous allons juste rendre visite à notre pauvre mère malade. Arrête de pleurnicher. Nous avons un chariot et ses chevaux. Et ta sœur est mignonne. Mira Drugo cherche une femme. C'est votre genre de chance. Non, j'épouserai jamais ce gros-lard. Gros-lard ! Hey, il se passe quoi ici ? On dirait que ces messieurs dérangent ces adorables demoiselles. Vous avez faim ? Mira Drugo va vous dévorer ! Pourquoi je tombe toujours sur des gros idiots ? Partez les filles, on va s'occuper de ces messieurs. Vous récupérerez votre chariot plus tard. Merci! Oh, merci, merci! Oh. Arrêtez-le! Ça va, chef? Oh! Ok. Ok. On peut courir comme ça. D'accord. Se traduit en FA, il y a un générique Bud Terrence qui a demandé. Après, il y a le Gotti, c'est Baldur's Gate. Vraiment, monde de capitaliste avec ses Vox 5G. Je ne sais pas quoi te répondre, Avia, à part. C'est un bordel pas possible. Ah, y a, on peut le prendre lui. Coucou SC. Acheter deux cercueils neufs, Patrick nous propose la meilleure qualité. Non merci, j'ai prévu de rester en vie aujourd'hui. La vie éphémère n'est rien comparée à l'infinité de la mort. Il a raison, vous m'avez convaincu, j'en veux un. Vous avez de la pistache? C'est nul. La baffe de Terrence, c'est comme dans les films, ouais. Là, je crois que j'aurais dû prendre Terrence. Zut, le poing cassé. Pourquoi ça tombe toujours sur nous ? On doit trouver un moyen de traverser l'autre côté. Si tu penses que je vais essayer de sauter, t'oublies. Non, c'est trop loin. Je pourrais essayer de grimper sur ces poutres. Bah non, c'est trop, j'ai besoin d'un appui. Ce tonneau ? On pourra jamais le bouger. Mais si, il peut. Je m'en occupe. Marrant ça, il y a un côté un côté puzzle.
Lol. Hey! Ah, ok, d'accord. Y a pas les combos parce que là j'arrête pas de faire la même chose. On tape comme ça, on tape comme ça, je peux pas comme ça. Ah ouais, si les deux. Ok, on va essayer ça. Regarde le saloon, Jumbo. Comprends enfin ce qui se passe ici. On va enfin manger. Ils viennent de bouffer des faillots plein partout. Coucou Mishmush. Il a pas l'air d'être très cow-boy lui. Dégage. Okay. C'est marrant qu'on puisse parler aux gens et tout. Ne dérange pas, je joue. Ah, c'est pas déjà vu. Salut mon grand. Ok. Je vais à manger. À manger. Bien sûr, que voulez-vous commander? T'es sourd, à manger. Hey mignonne, je peux te poser une question? Bien sûr, étranger, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Honnêtement, après avoir vu ton sourire, j'ai oublié ma question. Oh là là. T'es amusant, toi, je t'aime bien. Comment une fille aussi jolie comme toi peut travailler ici? Ce village ne semble pas être un coin très sûr. Le shérif ne fait pas respecter la loi et l'ordre. Je devrais pas le dire, mais depuis quelques mois... Arrête de poser des questions et dégage. Sinon quoi? Arrête, on a déjà vu ça avant. Hein? J'ai rien compris à ce qu'il fallait que je fasse. Hé, hey, ce sont les deux types dont le shérif a bien été appris. Et voilà, tu attires toujours encore l'attention. Mais j'ai rien fait du tout, moi. Attrapez-les! Merde, je parle. Vite. Qui fait quoi, Terence? Il y a des baffes et des haricots, ouais. Ah ouais. Ha ha.
Foutez le camp si vous voulez pas qu'elle y passe. Waouh. Mon héros, tu m'as sauvé, c'est quoi ton nom? Mon nom est personne. Non, son nom, c'est idiot. Comment je peux te remercier? Fuis avec moi, on chevauchera jusqu'au soleil. Oui, on a besoin d'informations, ma belle, on veut aider ce village. On est en mission secrète afin de retrouver une arme volée par... Oui, malheureusement, je ne peux pas dire qu'on est venu faire ce qu'on est venu faire ni pour qui on travaille. Mais fais-nous confiance, on est en mission spéciale pour le gouvernement. Je vais te tuer. Ces bandits ont apporté une grande caisse au shérif. Et depuis qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent en ville. N'aie plus peur, je vais te sauver et après on pourra se marier. Ramène-toi, on a du travail. Au revoir, ma beauté. Reviens victorieux. Ah! Hey, c'est passé quoi, ici? Encore vous? Ah, ça c'est pour bloquer, ok. Faut connaître les films pour savoir l'histoire. Peut-être. Moi je les ai vus, mais j'étais tout gamin. Je m'en rappelle pas vraiment. Ouais, là. Ils prennent tous des chaises. C'est ridicule. Calme là. On va prendre le... Ah, moi. Ah non, il avait besoin lui aussi en fait. Ouais, j'ai rien dit. Vous êtes prêt à mon petit frère, Mira Drogo? Ton frère, il voulait taire pas quand vous étiez petit. Comment oses-tu? Si Mira Drogo et moi sommes identiques. Dis, ils ont l'air frères pour toi? J'en sais rien, je devrais taper dessus pour en être sûr. Donnez-leur une leçon, massacrez-les. Ah. Wow. Je m'attendais pas à ça. Ah. C'est du film On l'appelle Trinita. Ah ok, d'accord.
Dommage qu'on voit pas la barre de vie des mâmes. Je suis à saute-mouton avec le... L'ambiance du jeu au top. Ah ouais, c'est clair. Après, bon, c'est du beat them all, quoi. Mais il y a quand même des petits trucs originaux qui sont... intéressants. J'aurais préféré, je crois que je verrai si je crève, si je peux changer, mais à mon avis Terence Hill est plus speed. Pardon patron. Mais il y a des... Oh ok, il y a des combos à faire avec les directions en fait. J'avais pas vu. Je peux changer une game? Ah ouais? Hey! Vous vous croyez aller où comme ça vous, hein? La salle de bain? On veut parler à ton chef? On veut parler à ton chef. Hey, y a pas de shérif ici. Y a que Zoul. On donne la loi, dégagez d'ici, les crèves la faim. T'as entendu, shérif adjoint, la loi vient de te traiter de crève la faim. Non, pas moi, c'est toi qui le traite de crève la faim. Vas-y, vie, rendez-vous, on fera parler la poudre. Ok, on a loupé un choix. J'en ai loupé plusieurs même. Ok. On peut changer. Je peux changer? Non, je peux pas changer. Je sais pas comment. Non, je peux pas changer. Ou alors il y a une touche à faire. Ok, donc je suis obligé de réussir en fait. Mais non! D'accord, ok. Tant que j'y arrive pas, en fait, ça marchera pas, ok. Ah, c'est chiant. Okay. Non, dans les commandes. Bah c'est courir bloqué, bah non, y a pas changé. C'est peut-être dans le 2. Du coup, dans le 2, c'est encore mieux si je me trompe pas, j'ai acheté celui-là il y a pas longtemps, je vais le faire prochainement, ok. Hey, shérif, assez perdu de temps et sortez d'ici maintenant. Et au nom de la loi, haut les mains! Le shérif s'est enfui vers la gare! J'ai dit à tout le monde que vous êtes des héros en mission secrète pour le gouvernement. Ouais, très secrète. Ce sont nos chevaux les plus rapides. Attrapez cette crapule et faites-les payer. He's the guy who's the talk of the town.
with the restless guy. Don't you bother to fool him around. Keeps the vomit on the run, boy. Keeps the vomit on the run. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 missions. Always takes his time. Classe. Bah, la zik est franchement cool. Voilà. Ok. Aïe. Et bordel. Bordel. Je suis trop nul. Mais perspective de merde. C'est pas mal les petites tirages de game de mécanique là. Les vilains ils savent pas se baisser hein, c'est marrant. Oh oh, ok, j'ai eu peur. T'es fini, rends-toi. Au nom de la loi. Buffy, vite. Allons, tirez les gars, tirez. Ok. Voilà. Merde. Ok. Merde. Ok. Sanji. Coucou. Avec la manette c'est Elder of the Star, tu peux changer ton perso. Ok, je regarde après. Sanji, merci beaucoup pour le resub de 8 mois. Merci, merci. Coucou Sanji qui dit. Bien le bonjour aussi, bien le bonjour à toi. Merci beaucoup.
L2, ouais. L2, c'est quoi sur une Magnetic Xbox? C'est LT, là? Ah, yes, merci. Il me semblait avoir essayé ça tout à l'heure, mais non, visiblement non. Ah! Ok. Lâche? Merci. Merci, Mishmush. On va voir comment il est le gameplay avec lui. Peut-être qu'il prend plus cher. Je suis en dégâts, si t'as la ref. Non, j'ai pas la ref. Si la référence c'est Terence Hill et Bud Spencer, la dernière fois que j'ai vu un de leurs films, j'avais 10 ans donc. Les baffes, trop bien. On peut avoir deux armes. C'est un film de... Ouais, donc je peux pas me rappeler de la référence, pas possible. C'était il y a des millions d'années. Ah. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, on peut s'accrocher en haut, c'est vrai. Faut que je fasse gaffe. Faut que j'essaye là. Ça passe régulièrement sur Gulli. Ah merde, pourtant je regarde tous les jours Gulli. T'as raison. Ah, j'ai dû pas faire attention. C'est comme ça. Wow. Merde. On est là pour t'arrêter une bonne fois pour toutes. Ah oui, essayez d'arrêter ça. Oh putain. Merde. Moi j'arrête pas de regarder la télé en VF, mais je ne regarde que ce qui est en français, c'est clair. Bon, par contre, il va arrêter de tirer parce que... Hein? Je peux pas venir, ok. Ah.
Putain, mais Bud, qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas, il faut que j'attende qu'il soit. Qu'il ait un. Ah, faut qu'il soit rouge, ok. Non. Je suis pas sûr de capter. Mais bon, elle est morte. Coupé, super, finale, super finale, on a fini. Ah merde. Je crois que j'ai appuyé deux fois sans faire gaffe. J'ai appuyé sur le double bouton en même temps. Oui, j'étais très bon pour votre tout premier film. Ouais, ouais, je peux avoir mon argent maintenant. Monsieur, vous l'avez mérité. Bon, l'assistante Sophia vous attend dans le bureau avec vos chèques. Je m'attendais pas à ça. Ah, Sophia, la petite mignonne. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Il y a du tearing, mais bon, rien y faire. Je crois que je peux rien y faire. Voilà, en tout cas. J'espère que ça va pas faire tic tac Twitch, tout ça. Là, je... Hey, t'as entendu ça? Mademoiselle Sophia est occupée, revenez demain. Quoi? T'as entendu ce bruit, elle pourrait être en danger. Dégagez, c'est nous passer. Ou sinon? Sinon... Ou sinon on va se fâcher. Ok les gars, plan B, on les fout dehors par la manière forte. Ils enlèvent notre argent. Mon Dieu. S'il y a personne devant, ça fait pareil. Je vais te dire ce qui se passe, ils ont enlevé notre argent. Et ma fiancée? Ta fiancée, elle a encore jamais parlé avec toi. Les mots ne sont pas importants après le casting, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a souri. Oh, oh coucou. Et dire que Bud c'était un champion de natation, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Oh, on doit trouver le réalisateur et lui expliquer ce qui est arrivé.
Eh oui, il s'est caché le satané réalisateur. Il a couru vers la droite. Ah non, il est à gauche, derrière le train. Bien, chef. Non, dans le bureau à droite. Non, 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 il est... Arrêtez, idiot. Pourquoi ces deux-là sont encore libres, hein? Attrapez-les, on s'occupera de ces maudits réalisateurs après. Mais si, la barre de vie, c'est la barre de vie des mobs, c'est la barre bleue, c'est ça? Non? Ah non, c'est ma barre d'endurance, j'ai rien dit. D'énergie. J'ai pris cher, là. Ils sont partis. Ouais, et vous allez tout nous expliquer. Ils ont enlevé Mademoiselle Sophia et la moitié des gens sur le plateau étaient des complices. Et notre argent, ils nous l'ont enlevé aussi. Voler, il faut dire voler pour ça. Mon argent aussi, les sentiments. C'est un enlèvement pour moi. Alors, je peux partir? Non, non. D'accord, je vais vous dire tout ce que je sais. Ce film, la distribution et toute l'équipe ont été financés par un certain Tango. En échange de cet argent, il a imposé deux conditions. Il a choisi mon assistante, la fille enlevée et toutes les autres personnes qui ont fait travailler sur le film. Il voulait aussi choisir les acteurs des rôles principaux, mais ils sont jamais venus, alors on vous a pris vous. Ce Tango donne d'abord l'argent, puis finit par enlever. Par l'enlever. Apparemment, ils sont plus intéressés par la fille que l'argent. Et toi, le seul qui t'intéresse à elle. Donc on doit retrouver ce Tango, monsieur le réalisateur. Vous avez une idée d'où on peut le trouver? Il y a une course en ville aujourd'hui et monsieur Tango va remettre personnellement le prix au vainqueur. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons gagner cette course. Mais on n'a pas de voiture pour y participer. Pas encore? J'ai un mauvais pressentiment à propos de ça. La barbe, c'est les coups spéciaux, d'accord. Okay. Il s'en fout de Sonia, il veut son pognon, grave. Bière et off dog. Il doit y avoir une coquille là-dedans. Laisse-moi faire. Salut! Stop! Seuls les pilotes peuvent rentrer. Bah, on est pilote. Revenez ici avant la prochaine heure avec vos voitures. Bien sûr, peut-être pouvons-nous faire un tour d'essai sur la piste en attendant. Je vais perdre patience. Revenez avec vos voitures, maintenant disparaissez. Bon d'accord, ça s'est pas passé comme j'avais prévu. Ah vraiment? Ça va les bleusailles? Vous voulez participer à la course de voiture sans voiture? Et vous êtes qui? On est les pilotes choisis par Tango, les gagnants des trois derniers championnats. On se reverra quand vous aurez mieux conduire minable. C'est exactement la même tronche. Tu penses à ce que je pense? Hé, hey, vous n'avez rien à faire ici! Bah, je crois que si. Ils étaient pas si méchants, au final, ils nous ont même laissé leur voiture. Ouais, suffisait de leur demander gentiment, ouais. Parfait, on est prêt pour participer à la course. Je conduis.
Quoi? Terence Bud? Terence Bud? Quoi? Je comprends pas. On joue au poker si tu veux. Non. Je crois peut-être que je suis un tricheur. Je crois pas, j'en suis sûr. Et si on faisait un petit bras de fer? Non. T'es trop fort pour toi, hein? Bah oui. Et pourquoi pas un concours de bière et de hot dog? Ok, où on va? Pressez le bouton au bon moment pour manger et boire une bière pour diminuer la vitesse. Quoi? Pressez le bon moment. Ok, le bon. Ok. What the fuck? Merde. Ça va plus vite chez lui, pourquoi? Ah putain! Ok, ça suffit. La vitesse est trop rapide. Bois, je bois. Ok, c'est comme ça qu'il faut faire. On va se taper sur Y comme un ouf. Ok. Ça ne donne absolument pas faim à cette histoire en plus. Hein, pour info. Je sais pas pour vous, mais. Je sais pas si c'est censé donner faim ou pas. Tiens, quand je vois de la bouffe, j'ai faim, mais là. C'est difficile de regarder le reste. Oui, c'est lent après, hein. Oh là là. Yeah, à deux points. Garçon, je vais prendre une glace à la vanille avec plein de crème. Course. Finir dans le top 3 pour une... Pour être sur le podium, ok. J'avais pas les caractères spéciaux, visiblement. Ready, peut-être. Hein? Ok. Oh! Oh, c'est nul. Oh, c'est nul. Oh, c'est nul. Oh là là, oh, je vais pas kiffer ça. Mon Dieu.
finalement il n'y a rien d'autre à faire que accélérer et tourner. Top 3 hein. Pas très dur, heureusement, non, c'est vrai. Christian Middeldorf. Non, c'est pas un raccourci, hein. C'est mieux quand il n'y a pas de concurrent. On n'a même pas fait un tour encore. Ok. Ok, c'est vrai qu'il y a deux tours donc. Merde. Ok. Chier! Bordel! Non mais non! Putain, j'ai vu les traces de pneus, je suis parti à droite. Dégage. Il faut que je me concentre. C'est original qui est ça, en tout cas. Après, tout ça, ça pourrait faire un très bon jeu d'arcade, en fait. Enfin, ça a été pensé comme ça. Hein. On se sent bien. Justin Timberlake a été arrêté. On applaudit Monsieur Tango qui va remettre en main propre les prix au vainqueur de la course. Chef, ces deux-là nous ont bernés. Pardon, chef. Je t'avais dit qu'ils avaient compris, ils avaient pas compris. Qui êtes-vous? Que voulez-vous, quoi? Voulez-vous quoi? Rendez-nous notre argent! Rendez-nous la fille! Chef, ce sont eux, les gars, qui étaient sur le plateau! Arrêtez-les! Merci, Mich-Mich. Justin, t'as foutu quoi? Apparemment, ces messieurs veulent pas nous laisser passer. Merde. C'est nul. C'est quoi ça? Quelque chose ça? Ah, c'est un verre ça. Je croyais que t'étais mort. Merde, y'a un clown. Ah
Là, le son déconne quand je fais mon slap. Là. J'aurais dû le laisser à Abud. La Bud, Abud. T'aimes pas les clowns? Une baffe, c'est bon, il est down le clown. Ah, deux secondes. Excusez-moi, monsieur. Nax. Ravi de vous rencontrer, monsieur Nax. Avez-vous vu où Tango est allé? Bien sûr, il est là-dedans. Je les ai eus, allons-y les gars, ils sont piégés. Ne laissez pas nous échapper. Ah! Qui se barre. Bud, il y a une bière là pour toi. L'IA est pas mal foutu hein. Allez, c'est juste sur une bonne arcade, ça serait l'équipe. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça a été pensé comme ça, c'est bien foutu. Hein. Je vous en prie, sauvez ma petite chérie. Maur. Maur. Mince, ce chat est en danger. Mais non, pas le chat, ma fille, sauvez ma fille. Trouver un moyen d'arrêter ce manège. Ah.
Elle va vomir, non? Non. Maurice! Non! Ouah! Maman! Merci d'avoir sauvé mon bébé. Merci, messieurs les super-héros. Bah de rien. Pardonnez-moi, monsieur Nax. Je dirai rien à vous. Vous ne passerez pas. J'ai pas eu le temps de voir ce qu'il a dit. Ce qui avait une énorme. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Des billets pour la maison des horreurs. On y va, personne n'est assez stupide pour se cacher là. Si tu veux pas venir... Putain, j'ai pas le temps de lire. Si tu peux pas venir dedans, c'est pas grave. Y'a pas de mal à avoir peur. Occupez votre parasite à n'importe quel prix! Oui, chef! Non, c'est l'autre. Oui, chef, ils passeront pas! Je crois qu'il a encore filé. Je pense qu'il nous aime pas. C'est exactement ça. Yes. Vous avez vu les chariots là derrière? J'ai l'impression que c'est du Donovan. Mais ça doit pas être lui. Quel plaisir de vous revoir, cher Nationax. Assez. Vous êtes fini, mes âmes fauchons, depuis le parchet. Votre bout s'arrête ici. T'as jamais dit que c'est difficile de conduire avec les deux bras plâtrés. Wow. Merde, je peux pas les prendre. C'est les fanions, c'est les piquets des fanions. Putain, j'ai pris ultra cher. Je pense que les devs, ça doit être des cadras qui ont rendu hommage au film de leur jeunesse, je me trompe peut-être. C'est possible, je sais pas de qui c'est en fait, je peux regarder. Monsieur... Arrête ça. Est-ce que je peux avoir de la bière ou des faillots? Qu'est-ce que vous voulez au patron? Il a pas le temps de parler avec vous. Le patron est gentil. Je n'irai jamais notre première rencontre. J'étais qu'un pauvre enfant solitaire. Merde. «
Merde, j'étais cet interrompu pendant que je parle du patron. Je prends super cher. Wow! Wow, 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 ok. Première mort. Je sais pas s'il faut vraiment que je passe par là. Ça me semblait logique de passer par derrière. Il fait trop trop mal. Bud, meurs pas! Oh! Oh là là! Vache! Ouais, faut passer par derrière, en fait, c'est ça à chaque fois. Je pense. Bud. Ah, mais non, même pas. Je comprends pas. Oh la vache! Oh bah putain, ok. Non, je pense que ça sert à rien de passer par-dessus quand on le fait. Surtout le premier coup, puisqu'il bouge pas au début. Bud! Putain, je peux rien faire. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus punitif que Malenia. Non, il doit y avoir un truc que j'ai pas vu. Il y a un... Si, pas aggro du début, c'est marrant. Faut taper quand il se marre. Mais putain! Oh, c'est... Non, c'est même pas ça, parce qu'après il m'interrompt. Ça. Bon. Il y a un truc à récupérer, un bâton. Parce que là, il... Niveau allonge en plus. Thank you.
Peut-être attendre qu'il recose. Non, une fois qu'il est trigger, elle est trigger en fait. Je vais à peine vous voir de là-haut. Oh merde. C'est ça qu'il faut faire attendre. Aïe. Je pense que c'est ça qu'il faut faire, il faut attendre. Visiblement, il est plus... plus tapable quand il y a ses copains avec lui. Voilà. Tu me vois maintenant? Je vous vois très bien. Bah, je crois que je vais y aller. Ouah, pardon, pas trop. Ok. Comme quoi? Alors on a fait 1, 2, 3, 4. Le cinquième. Eh, hey, la fiche de la course. La fiche de la course qu'on a gagnée. Tune Buggy. Bien, perds pas ton temps, je veux mon salaire. Ouah, le prix pour les vainqueurs était énorme. Quoi? Ce tango s'est enfui avec mon argent deux fois. Maintenant, je suis vraiment énervé. Ah bon, tu l'étais pas déjà? Maintenant, je le suis deux fois plus. Hé hey les gars, vous avez entendu, ils cherchent le chef. Allons, leur donner une leçon. Stop, personne ne passe. Vous êtes qui? Je suis l'agent Mojmir, à la loi, c'est moi. Il faut reconnaître, t'as créé la panique en ville, on essaye de dégager la route. Dis, tu vois ces échafaudages, tu penses à ce que je pense? T'as l'intention de grimper, pas moi. Attends ici, j'ai une idée. Ah ok. Bizarre que le bouton il était au premier étage. Ah ok. Ah oui, c'est des escaliers. Oui, oui, oui. Ah
Bam, didim, dim. Il y a un mec à vélo. Avec la fourgonnette qui a servi, la fourgonnette qui a servi à enlever la fille. C'est bien elle qui a servi à enlever la fille. Peut-être qu'il se cache ici, allons jeter un coup d'œil. Pardon mon brave. Arrête d'être gentil, toi la fourgonnette dehors a servi pour enlever notre argent. Allez. Parle pas. Ah, et une fille, pardon. Et une fille. T'as vu qui était dedans? Où sont-ils partis? J'ai pas vu que c'était l'autre qui parlait. Ça a l'air d'une situation très grave, je vais appeler le manager. Monsieur Tango, à l'aide, un type énorme menace. Mesdames et messieurs, ce supermarché, maintenant à nous. Foutez le camp. Pourquoi ils n'ont pas peur, eux? Désolé, il est sourd-muet et je suis infirme, je peux pas courir. Ah ouais, on va voir comment on gueule un sourd-muet. Pourquoi il réagit pas? Laissez-le, il est simple d'esprit. Qui est simple d'esprit? Chopez-les! Ah, il est costaud, lui. Merde. Mais on en a. Lancez-les, les laissez pas approcher. Débilité. Merde. J'ai perdu tellement de life. Ah, mais merde, je peux pas passer. La 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 la
Bud, il faut que tu boives une bière là-haut. Bud, la bière. Ce bruit de pièce. Hey, rendez-nous la fille. Rendez-nous l'argent. Tu vas de dos ce soir, ça marche. Des bisous, à bien. 21h, il y a Omicron. Supprimer ces gêneurs! Toi, va les attraper! Putain. Ah, on peut pas avancer, ok. Ah, ils balancent des thunes pour que les. Je vous paye pas à vous battre comme des fillettes! Pour vous battre comme des fillettes! Ils sont deux. Aïe, j'avais pas vu qu'il y a la jauge de thune en bas à droite. J'ai fait notre argent. J'en ai plus aujourd'hui. J'ai mal partout. Appelez une ambulance. Me fais bouger. Oh, ma jambe. Oh, j'abandonne. Laissez-moi rentrer. Filons, ces deux-là sont des monstres. Je sais pas ce que vous attendez de moi, mais je parlerai jamais. Pitié, me faites pas de mal, je vais tout dire ce que je sais. J'ai été grassement payé pour organiser l'enlèvement de la fille, je sais rien de plus, je vous jure. Et où est-ce qu'ils l'ont emmené? Je sais pas, et où ils vont l'emmener? Pitié, me frappez pas. On doit les suivre avant de perdre leurs traces pour toujours. Merci pour la voiture, Tango. Considère que c'est une avance sur salaire. Quelle voiture ? Ouais, bonne nuit. Grab, je conduis, je veux voir ce qu'elle a dans le ventre. N'y pense pas, cette fois c'est moi qui conduis. Autoroute. Va pied au plancher, ok. Oula. Putain. Ah, l'Asie. Waouh, ok, j'ai regardé les trucs. Ça, c'est la nitro, d'accord. Ouais,
merde. Et voilà, on les a rattrapés. Reste derrière le camion, on les perd pas de vue. Merde. Oh là là. Seigneur, si tu dois sauver quelqu'un, sauve-moi, je veux pas participer à ça. C'est un camion de faillot. Donc là, faut que je reste derrière jusqu'à ce qu'on arrive, c'est ça? C'est bon. Pas visiblement. A perdu, on rentre. Non, ils sont piégés, il n'y a pas d'autre issue depuis le port, ils nous échapperont pas. Et la porte? T'inquiète pas, je m'en charge. Ok, je retourne à la voiture. D'accord, mets-toi à l'aise. Tu pourrais déplacer ces caisses? Ouais, d'accord. Ça doit être bon. Quoi? On dirait que l'ouverture a une minuterie. L'autre, s'il te plaît. On doit activer ces deux boutons avant que ça se referme. Ah, okay. Je pensais qu'il allait le faire en même temps. Salut! Attrapez-les!
Bah alors, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Je sais pas pourquoi je continue de t'écouter. Un puzzle. T'entends ce bruit? Non. Et maintenant? Apparemment, ces messieurs veulent pas nous laisser passer. Et quoi? Aïe. La musique est pas du tout au niveau des restes. Entièrement. Jusqu'où? C'est tout?
prêt. Putain, la life, c'est pas cool là. Après tout, richesse, renommée et bonheur. Nous sommes faits l'un pour l'autre. N'agis pas comme si tu ne voulais pas de moi. Je te demande juste une petite faveur en échange. La seule chose qui me dégoûte encore plus que toi, c'est ta recette de haricots. Je serai jamais à toi. J'ai jusqu'à la fin des temps pour te faire changer d'avis dès qu'on sera en sécurité sur mon île. Je changerai jamais d'avis. Elle a dit qu'elle changera jamais d'avis. Qui êtes-vous? Son fiancé. Quoi? Comment oses-tu? Tu es à moi, personne d'autre ne peut être avec toi. Ce type n'est pas... Bob, emmène-la ailleurs. Vous, occupez-vous d'eux. Ramenez-moi la fiancée vivant. Vous pouvez faire ce que vous voulez du gros. T'as entendu ça? Ces types veulent te tuer. Regarde la life. Aïe, 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 aïe. Hey, il se passe quoi ici? Je peux avoir des bières et des faillots? Très bien, vas-y. Bon, on a l'avantage de l'effort, de l'effet de surprise. On doit juste attendre le bon moment. On dirait Jesse Cox, les gars. Ah non. Là voilà, on doit la sauver. Comment vous êtes arrivés ici? Balancez-les à la mer! Adieu l'effet de surprise. Maintenant, il en faut un pour Bud. Tiens, chante-nous ici.
Eh, vous êtes qui? Retournez bosser. Attention, le capitaine, ce sont sûrement deux clandestins. Eh, ces deux-là semblent avoir des vêtements à notre taille. Ils nous ressemblent un peu, non? Pourquoi vous nous regardez comme ça? Vous nous voulez quoi? Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Mais j'ai pas de moto, moi! Alors on prend ton bateau. Un petit vilain! Oui, officier White! Ils sont là, ils ont sauté à la mer, l'urgence est terminée, tout le monde retourne à son poste. Oui, capitaine! What the fuck, ils ont même pas changé de fringue. Bon, maintenant on sauve la fille. T'inquiète pas, je m'en charge. Psst! Hey! Encore vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Parle doucement! Où ils vont nous entendre? Pas le temps d'expliquer, on vient t'aider à s'échapper. Non, je peux pas. Ils retiennent mon père. Et j'ai peur de ce qu'ils peuvent lui faire. On s'occupera de ton père après. C'est toi qui es en danger pour l'instant. Je pars pas sans lui. Si vous voulez vraiment m'aider, aidez-moi à le sauver, lui. Et c'est trop dangereux. On peut pas te laisser ici. Pitié, je ferai n'importe quoi. Tu viendras dîner avec moi après t'avoir sauvé? Rien qu'à dîner, et votre ami sera d'accord? Très bien. Bien sûr qu'il sera d'accord. On parle de la vie de ton père. Laisse-moi m'en occuper. Alors, c'est quoi le plan? Le plan a changé. Le père de la fille est très riche et il nous offrira plein d'argent pour la suivre discrètement et les sauver. Ils nous doivent déjà plein d'argent. Elle a dit qu'elle donnera au moins le double. La décision est prise. On va sauver le vieux aussi. Ok. Visiblement, il reste 4 levels. On peut finir ça. Pourquoi es-tu si amical aujourd'hui? Tu as enfin accepté mon amour? Non, je suis juste heureuse de revoir mon père. Vous êtes toujours un imbécile. Comment oses-tu? Je sais combien de femmes aimeraient être avec Monsieur K2. Pourquoi tu ne deviens pas sa fiancée alors? Assez! Nous n'avons pas le temps. Maintenant, on y va! Closing. Oh, il y a 3 balaises là. Oh bud, t'as besoin de vie toi. Là, là.
Aïe, 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 aïe. Oh merde, putain, il y a du monde, hein. Eh ben. Oh, ça sent le... Lâchez, les laissez pas s'approcher. C'est cool la bière. Après, parce que j'imagine qu'il y a des bières dedans. On les prendra à la fin. Ouais. Plein de bières. Il est con, on ne boit pas maintenant. Closing, 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 closing. Banana.
Par contre, les mouvements, je les trouve un peu limités. Hein. Après, ça reste un beat démo. Hein. Est-ce qu'il se casse la gueule? Yes, il se casse la gueule. Ce picon. Là, je sais pas qu'ils avaient fait un jeu. Eh ouais. Moi aussi, j'ai regardé ça quand j'étais gosse, mais je m'avoue, je me rappelle pas de grand chose. Et ouais, ils en ont même fait deux des jeux. Banane, bud. Il veut pas prendre la banane. Prends la banane. Ok. Celle-là, peut-être. Ouais. Plein de bananes, là. Pas l'intérêt d'avoir plein de bananes. Dieu. T'as vu ma fiancée? Pas parler aux étrangers. Salut, nous en cherchons une fille. Ok. Bon. Souhaitez de leur parler à tous en fait. Ah. T'entends ce bruit? Cachons-nous ici. Oh Dieu! Le gang des pirates! Je suis le capitaine Zoltan et maintenant votre homme est à moi! Arr! Capitaine, on devrait pas aller chercher le trésor! Exact! Allons chercher ce trésor! Arr! Aucun trésor ici! Nous récoltons des bananes! Oui, capitaine. Bien dit, capitaine. Yo-ho! Mille faillots, ça va être une longue journée. Maintenant, cherchez partout dans le village et trouvez le trésor et le rhum aussi. Oh putain. Ah merde, c'est fini. Eh ben. Penser au boss intermédiaire de Double Dragon, les ceux-là.
l'espèce de Zangief. Y'a pas une autre bière qui traînait ? Je crois que non. Capitaine Zoltan, tu le la sens vraiment très fort. Bande de capables, je m'occupe de vous trouver le rhum. Yes. Et on se calme. Ah, ils boivent les bières à ma place. Maintenant. Commission à faire une bonne fin de stream. Ça marche pour vous à ce soir, peut-être sur Omicron. Sauver notre village. Femme que vous cherchez être dans le laboratoire. Où est ce laboratoire? À Nouloud, toi, amenez eux. Charachni et montrez laboratoire. Charanou, non, maman. The fuck? Charachni. Charanou aussi. Voilà, char à chenille. Et on a besoin de quoi, comment on monte dedans? Montez dans char à chenille, entrée secrète, très longue échelle. Moi partir, adieu. Bon d'accord, on grimpe dedans. Eh oui, yeah. C'est bizarre que le doigt il soit en face de la bagnole. Alors que on... Oh, cette échelle est vraiment longue. Ouais. J'en vois pas la fin. Je vois la tienne si tu la fermes pas. À vos ordres, commandant. Discrètement. Par la zic. Ils ne doivent pas savoir que nous sommes là. Tu mets comme une carpe. Arrête ça. Hé, hey, t'as entendu ça? Relax, sois pas parano. Mais qu'est-ce que... Il y en a à gauche. On a déclenché l'alarme, planquons-nous, oh merde. Faut être fufu maintenant. Ok. Tu vois personne ici, on se sépare pour mieux vérifier les alentours. Miaou. Ah, c'est comme le, c'est le chat du patron, comme d'habitude, on retourne à nos postes. Ok, on essaie d'être... On essaie encore, mais cette fois, prudence. On peut pas sauter, donc...
C'est chiant un peu. Heureusement que l'ordi est bon. Hein. Merde! Non, on va regarder les débuts, j'espère pas. Ah, fait chier, non, ça va. Chava. Je prendrai une petite pause à la fin du level. Peut-être entre temps, j'attends que Unikinet et Kinet se rentrent. Les doigts dans le nez. Les gars, alerte, alerte! Les doigts dans le nez, hein. Il y a deux types dans l'ascenseur. L'ascenseur est super lent. Attaquez-les, ne décevez pas. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Mais on est meilleur. Je suis beau et plus fort. Je casse la ferme, Ralph. Goûte à mon point. Attaque en hauteur, enfin monsieur génial. Coup de poing original, enfin monsieur fort. Laver! Gâcher! Bon repas! Je peux pas prendre la boisson. C'est quoi ce bordel? J'ai peut-être une idée. Je voulais prendre à boire, mais ça va marcher. Ces deux-là, ils sont vraiment forts, hein. Ouais, est-ce qu'on prévient le patron? Non, l'ascenseur est bloqué, c'est impossible pour elle en sortir. Ouais, tout est possible, Timmy. Faut garder un œil sur eux. Pas d'inquiétude, Jerry. On est en sécurité. Détends-toi, profite de la vie. Sois heureux. Rentre chez toi et embrasse ta fille. Tu penses qu'elle me pardonnera après 2 ans d'absence? Comme tu dis toujours, tout est possible.
T'as raison, Timmy, j'ai décidé de rentrer dès demain et... ok. Oh, j'ai pas, on a pas pu boire de bière. Hein. Hey, mais c'est Sophia. Elle est enfermée dans une fusée. Et le vieil homme doit être suivi avec nos chèques. Doc, ne me faites pas perdre patience. Activez le virus. Vous êtes devenu fou. Ce virus pourrait détruire tous les produits agricoles du monde. Excepté vos haricots. C'est exactement ça, mon plan. Tout juste ça, tout juste tout pour l'argent. L'argent, le monde entier s'est moqué de moi et de mes haricots. Et maintenant, ils vont payer. Vos haricots sont immondes. La ferme. Doc semble faire des expériences pour rendre les plantes plus résistantes. Elle a réussi à faire pousser un plant de haricots résistant à tout, mais malheureusement... Ces faillots sont immondes. C'est ça. En les mettant sur le marché, Cadeau est devenu la risée de tout le monde. On plaisante pas avec les faillots. Bon sang, vieil homme, je perds patience. Je ne bougerai pas un doigt pour sauver ces satanés haricots. Peut-être que je m'exprime mal. Vous ne le faites pas pour les haricots, vous le faites pour votre fille. Vous avez bien pas touché à ma fille, non ? Ça suffit. Donnez-moi les codes pour activer le virus, maintenant. Ça finira mal pour votre fille. Vous êtes un monstre. Papa, ne fais surtout pas ça. Vous ne toucherez pas à ma fille, je vous en empêcherai. Yeah ! Papa ! Ne lui faites pas de mal. On doit agir avant que tout ça finisse mal. En général... Non, ma bière. Lui torse-poil avec ses lunettes, c'est chelou. Enfin, il a le droit. Hein. Plein de bière là. Deux secondes. Ah mais en fait on peut pas mettre la pause là.
deux secondes, je réponds à... Mais ça met pas à la pause, vraiment pas du tout quoi. Je réponds à Minikinet qui vient d'arriver. Ok. Minutes avant le lancement. Ok. Entrez les codes ou votre fille ira sur orbite. Bon, vous avez gagné, lui fait aucun mal. C'est fait, vous avez ce que vous voulez. Virus activé, procédure d'envoi accélérée 15 minutes avant le lancement. Vous avez vraiment cru que j'allais laisser partir cette femme présomptueuse et arrogante? Elle m'a rejeté. Oh Jupiter, non, ne faites pas ça par pitié. Vous le verrez, c'est dans la fusée avec votre fille. Souhaitez-lui bonne chance. Adieu, idiot! Voilà, on doit trouver le moyen de passer, de passer ce verre incassable. Je crois qu'il est presque incassable. Qui êtes-vous? Je suis le fiancé de votre fille, lui c'est le témoin, nous venons vous sauver. Fiancé? Ignorez-le, votre fille nous a engagés pour vous sauver. Maintenant, on vous sort de là et on récupère notre récompense. C'est trop tard pour la sortir de là. Il faut d'abord arrêter le lancement. Le seul moyen d'y arriver, c'est avec la télécommande que K2 a pris avec lui. Ne perdons pas de temps, on y va. Au moins le double, hein. Oups, j'ai mal dû la comprendre. Tu veux faire marche arrière? Arrête, on va la sauver. Dans les toilettes? Quoi? Une salle de bain vide? Ça sent pas bon. Je peux le dire. La porte est bloquée. On bouge. Hé, hey, mais c'est un ascenseur. Oh, les boules. Level complete. Ok. J'ai FK deux petites secondes, je reviens. Je vais Nefertiti et dire coucou à Minikinet.
Heureux. Ok, deux secondes. Merde. Un casque qui ne veut pas se désemberlificoter. Hop là. Bon, il nous reste deux niveaux a priori, à moins qu'il y ait un monde après. S'il y a un autre monde... Combien de temps ça prend pour aller aux toilettes pour arriver? Combien de temps ça prend aux toilettes pour arriver? Je vais me pisser dessus. Respectez la lignée, poussez pas. Je suis bien le premier. Oui, chef. Allez-y, chef. Mais qui êtes-vous? L'équipe de nettoyage. Attaquez ces intrus. Mais, je dois aller pisser, moi. Ah, si je changeais de perso. Il est vraiment moins fun à jouer, lui. Hein. Ok, je reprends Terence. C'est mieux. Ok. Mon Dieu. Un aéroport? Un aéroport? Depuis l'accès des toilettes? Plus tard les questions. Récupérons cette télécommande. Regarde là-bas, ça doit être l'avion de K2. Ils vont décoller, dépêchez-nous, dépêchons-nous. Ah, putain, j'ai la hâte. Musique. Juste un coup à la refiler en fait, c'est nul. Boum. Ça, je me rappelle des films qui lancent un truc en l'air. Le mec regarde et qu'il se prend une double claque.
bizarre là comme comme phase de jeu. Oh des motos, oh des motards. Ah un béret, non c'est une casquette. D'accord un chat. Arrêtez ces deux là. Démarrez ce foutu avion. Chef, on doit d'abord finir de charger les caisses. Incapable, je vous ai dit de décoller maintenant. Oui patron. Patron, patron, pardon patron. Tout de suite patron. Gentils avec nous, ils nous ont même laissé leur moto. Allons-y, la porte de chargement est toujours bloquée par les chaises de Fayot. Ah, direct, ok. Je pensais qu'on allait faire mumuse à moto. Final ! Ah bah ouais, hein. Ah si. Mon dieu. Le moteur est super lourd. Lol. On a réussi. Finissons-en. C'est un grand avion. Bienvenue! Vous êtes venu profiter du lancement en direct? Bon sang, relâchez Sophia! Je vais me débarrasser de vous, de la fille, ensuite je deviendrai encore plus riche! Tout ça en quelques minutes. Aujourd'hui est mon jour de chance! Bien dit, patron. C'était quoi ça, vrai? Bien dit, patron. Maintenant, voici un avant-goût de l'implacable furieux Binatorbot. Binatorbot. Arrêtez de l'appeler comme ça, son nom est H725. Pardon, patron.
Grosse erreur de penser que ce géant peut vous protéger. Putain. Lol. The fuck. Vache. Pardon patron, j'ai échoué. Ne t'inquiète pas, serviteur inutile. Ils vont faire face à H725 à pleine puissance. Et madame. Oh merde. Ça a l'air de marcher. Qu'est-ce que je vais... Oh merde, je pensais que... Peut-être taper les bouteilles dans le fond là. Bordel. Ah. Ouais, c'est ça. Oh, putain. C'est super lourd. Derrière, faut taper derrière, putain. Ah la vache. Non. On va le laisser à Bud. Ah, c'est... Oh là là. Loot, putain. Là, je comprends pas. Ah, j'ai essayé, hein. J'y arrive pas. Ah si c'est bon, ça j'ai que perdre de la life, ok. Ça.
C'est à peine lourd. Hein. Ce boss est d'une... On peut pas lancer les... ces trucs là. On peut lancer que les trucs qui nous tirent dessus en fait. Maintenant. J'aurais bien aimé avoir de la bière aussi. Putain, mais arrête de les arrêter toutes là. Putain. Il se les prend toutes, ce con. Qui les arrête parce que il est... Ah voilà, c'est bon. On en a une. On va attendre tranquillou. Voilà.
Ah bah putain. C'est terminé, K2, les haricots du monde sont sauvés. Hé, hey, pourquoi la séquence de lancement s'arrête pas? Vous êtes trop loin de l'île. La fusée est hors d'atteinte de la télécommande. Si vous y jamais imaginez vous en tirer comme ça. Non, non. Retournons vite sur l'île. C'est piloter un avion aussi gros? Piloter, oui, atterrir, non. Et si on a besoin d'atterrir. On a un problème. Pendant la baston, le réservoir a été percé, on perd de l'altitude. Je vais piloter cet engin jusqu'à l'île et trouver un moyen d'alléger l'appareil. Je m'en occupe. Prends cette radio pour rester en contact. Oh! Mais qu'est-ce que je fais? Ça suffit? Je dois l'alléger encore plus. Attends, j'ai une idée. Active le pilote automatique et viens m'aider. C'est bon, ça marche. On accélère. Essaye d'utiliser à nouveau la télécommande. On est les meilleurs. Tu peux le dire. Je crois qu'on est à court d'essence. Du coup, ça explose, logique. Et maintenant, on a assez de carburant pour atterrir? Non. Non? Bah, on n'a pas assez pour atterrir sur l'île, mais pour monter suffisamment haut pour éviter de s'écraser sur les habitants, si... Comment ça? T'as jamais vu les mouettes voler haut, très très haut dans le ciel? Figure-toi que parfois, elles tendent leurs ailes, volent doucement et commencent à descendre. Eh bah, elles réussissent à descendre pratiquement sans bouger, et seulement grâce au vent. Oui, avec le vent, les courants et l'instinct. Le vent, les courants et l'instinct, c'est poétique, ça. Mais n'empêche que si ça foire, on pourra pas déployer nos ailes comme les mouettes, alors comment on va faire? Bah, on déploiera nos ruses. Graphiquement, c'est joli, n'empêche. Hein. Je l'ai pas dit encore, mais... C'est bien foutu. C'est souci de perspective aussi de là. Mais... Le pixel art est magnifique. Mao. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, on nage. On va vers où? Vers les îles Maldives. Tu sais où c'est, bien sûr. Non. Moi non plus. Bon, cette fois, on fait ce que tu dis, mais c'est pas fini. Non, non, c'est fini maintenant. Pas mal. Il y a bonne ambiance, c'est classe, bien géré. Et GG la traduction, Christophe Gaydan. Ah, c'est du Kickstarter, bah ouais.
Et donc il y a un deuxième. On va faire l'occasion. Par contre, ouais. Je fais pas beaucoup de beat démol, mais ça fatigue. Hein. Ouf. Sinon, le dernier boss était à chier. Mais bon, ça. Question de bougie aussi. Bah, je vous laisse la musique. Si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était Telkino avec le one-shot de Bud Spencer et Terence Hill, Slaps and Beans, le premier. Merci beaucoup, à la prochaine.